Mais écoute, on est pas mal en vitesse de pointe. Je vais faire un petit tour. Oh là là. C'est vrai que avec la couverture chauffante, t'as un confort en électrique qui est direct ça tourne. Là, la voir. Attends, on va faire. Oui. C'est vrai? Ah mince. Bon, bah, ok, ça marche. Merci. Ça roule. La voiture elle est de l'autre côté. Ouais, ouais. Bon, bah là, ça va activer du bref. Bouge pas la bagnole. Bon, j'ai pas eu le temps de faire une grosse ligne droite. Regardez ce que ça dit. Alors, écoute, 70 km/h. Écoute, c'est parfait. Parfait. Et je pense que j'étais pas à fond. Je pense que vraiment on est bien. Alors, 70 km/h pour. Qu'est-ce qu'on a comme données? Alors attends. Ça, ça se passe de côté. Voilà. Alors de l'autre côté, ça nous dit que. Regarde. 55 ampères, c'est ridicule. Et 870 ampères x 5. Donc on a une vidéo. Donc 55 ampères, c'est ridicule. 55 ampères de consommation. 870 ampères, donc ça fait x 5, ça fait dans les 4, dans les 5000 watts. Bon bah, cool. Cool. A few moments later. Bon bah alors, autre parking. J'espère qu'il n'y aura pas de policiers ou de pompiers. Donc là, j'ai pas eu le temps de refaire chauffer les pneus. Excellent. Alors il manque peut-être. Bon déjà, il y a un peu plus de poteaux de sur SF. Bon, les pneus fonctionnent. Il fait 14 degrés. La voiture elle est collée par terre. Ça braque ce que tu veux. On va refaire un speedrun. Bon, elles sont pas de full charge. Je pense qu'on est dans les 70.
Il manque peut-être pour avoir le tout petit prix. Après, ça va déjà vite. Hein. Je sais pas, il faudra que vous me disiez, les spécialistes de la 5e, si pour vous c'est déjà bien assez. Ah, les diffs sont excellents. Ça tourne court, regarde ça. On va juste revoir le GPS qui dit. Ah, c'est l'autre côté. Ouais, 70. Écoute. Je mets la main sur le moteur. Les lipoupes, ouais, elles rigolent bien sûr. Le vario rigole aussi. Extraordinaire. C'est pas du tout le comportement de la X-Attack. C'est beaucoup beaucoup plus facile à piloter. T'as vu l'arrière, il est collé. Et on sent bien les diffs autobloquants au centre surtout. Ça braque. Regarde ça. Pour avoir des soucis de parallaxe. Écoute, il doit pas. Alors franchement, peut-être qu'il manque. Peut-être qu'il manque. Allez. Bon, en couple. En couple, on est énorme. Ça, c'est clair. L'accélération est énorme par rapport à un thermique, j'imagine. Mais là, je suis en 23,60. Allez, j'aurais déjà dépassé les 70, donc je vais peut-être essayer un 24 ou un 25. On sent bien l'inertie de la voiture, hein. C'est sûr que c'est pas les 12 kg de la FG, c'est les 15 kg de la... Donc c'est vrai que... Ça demande une anticipation tout ça, mais putain, elle est rivée par terre.
ça se pilote moins la roue libre. La FG, tu avais la capacité avec la roue libre de franchement pas beaucoup freiner dans les franches. Si tu étais bon dans les virages, t'as la capacité à vraiment jamais freiner quasiment. Là, ça demande un peu plus de doigté quand même. Ça demande des freinages. Ouais, donc tu ramènes des cônes et puis on est parti, hein. Génial. Voilà. Elle est top. Des autonomies, hein. Je vous rappelle qu'on a déjà fait, allez, 3 allers-retours, 5 minutes à l'autre parking, c'est les mêmes batteries. Hein. Vérifier. Ah, je sais pas si j'ai emmené l'hypométeur. Yeah man. Juste à voir à peu près où on en est. Des batteries. Les pneus sont tièdes. Alors qu'est-ce que ça dit? Il reste 46%. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'on tourne? Je sais pas. Je sais pas, il reste 46%. Moi je dis qu'on atteint 20 minutes facile. Voilà, demi-heure. Je n'ai pas vérifié la chaleur par contre. Parce que là j'ai un peu tapé dedans. Allez, au froid, moteur, à peine tiède, ouais, je dirais. Un... Allez, 40. On est super smooth. Ça fait pas mal encore. Hein. Là, j'essaie de la provoquer, elle bouge pas quoi. Mon ami, Alain, t'as fait des réglages.
de la mort qui tue, hein. Je vais me le prendre un jour, une photo. C'est ça, le parking était bien parce que il n'y avait pas de poteau, il n'y avait pas de bordure. Là, les poteaux c'est bien, tu peux faire des cercles autour. Oh, la pièce elle bouge et tout, oh là là. Oups, voilà, tu vois, je savais. Ah. Moteur, froid. Bon, clairement, ben, c'est un peu le problème du brushless. Dans cette position-là, ben, tu tournes mieux d'un côté que de l'autre, quoi. C'est-à-dire que tu as le couple, quand tu as un contre-couple du moteur, ben, effectivement, ça tourne un peu moins. Ça, tu vois, là, c'est dans le bon sens. Là, tu tournes un peu plus loin, quoi. Tu te fais écarter. Sauf que tu n'as pas sur un moteur thermique, vu que c'est vertical. N'est pas non plus poussé trop dans les lipos. Ah, oh, mais ce couple qui arrive comme ça tout. Allez. Peut-être que j'y rajouterai peut-être une ou deux dents. À 25 ou à 24. Et voilà. En brochette ici, l'important pour faire durer un peu la batterie, c'est d'utiliser au maximum la roue libre. Hein.
moins t'es sur les gaz, forcément plus t'économies. Checking. Batterie. Alors, batterie. Allez, 20%. Alors, on va s'arrêter là. On a encore... Bon. On va s'arrêter là. 20% pour ce qu'il dit. Les pneus sont froids. Mais vous avez vu que ça n'a pas besoin d'être super chaud pour que ça accroche. On en est à combien de vitesse? 18. Voilà, on doit. Je vais être gentil, on doit une bonne vingtaine de runs. Ben écoute, je mets la main sur le moteur, donc ça doit être en dessous de 60 degrés. Tranquillement. Variateur est tranquille, les prises sont pas chaudes du tout, les lipos avec 30 degrés, les deux, c'est écoute, je suis hyper content du sitting, ça on va pas à dire, peut-être une dent ou deux, voilà, j'attends votre avis, est-ce que je dois encore en mettre une ou deux, les spécialistes MCD, dites-moi. Parce que bon, là au niveau couple, vous avez vu la voiture, elle part impeccable. Franchement, on est super bien. Mais super bien, je trouve. Le ce modèle là pour l'instant, rien à dire. Les diffs, super efficaces. Les pneus, pour l'instant, absolument rien à redire. Vous avez vu, même le temps qui refroidisse. Là ça a pris ses petits 30 degrés, ça accroche. Franchement c'est top. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Encore un petit. Là je suis en 23. Allez, un petit 24, ça serait peut-être bien. Pour passer la barre des 70 psychologiquement. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus.